Noël. Alors, vous, la réunion, roi de flamme. Il y a besoin d'être avec l'union avec un homme. Hein. Il y a quelque chose avec un homme ici, c'est incroyable. Ah, je me suis peut-être trompée, non. On dit que c'est très bien. C'est très bien quand même. Donc, alors, sur le roi de flamme, eh bien, c'est en tout dernier. Alors, les deux flammes jumelles ont déjà bien avancé sur le chemin. Après la reconnexion, la séparation, la nuit noire de l'âme, la reprise de contact, la réconciliation. C'est ça, hein, c'est de retrouver... c'est de retrouver cet homme, un homme. Il y a quelque chose avec un homme. Voilà. La reprise de contact, la réconciliation via la réunion avant qu'il n'y ait la fusion. Donc, il y a un regret. Il y a un regret sur une vie passée où on n'a pas pu fusionner avec un homme. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Cette carte indique ce vers quoi vous tendez. C'est une carte très encourageante qui vous demande de continuer à travailler sur vous, tandis que vos autres travaillent également de son côté. Voilà, votre autre. C'est votre destinée. Travaillez là-dessus, effectivement, sur le sens de l'amour, sur qu'est-ce qui se passe, sur cette montagne qui n'est pas affranchie et où il n'y a pas le besoin non plus réellement. En réalité, c'est ainsi. Hein. Parfois, c'est vrai qu'on rencontre sa flamme jumelle dans la vie et au bout du compte on n'est pas avec et on finit par se rendre compte que c'était pas nécessaire en fait d'être avec, on est juste venu là, on s'est vu, on s'est rencontré, mais c'est ainsi et ça vous permet aussi d'apprendre à avoir confiance en Dieu et à justement la vie après la mort et la mort après la vie. Quel est le cycle karmique? Est-ce que ça existe, ça? Parce que parfois, quand on rencontre quelqu'un, alors il existe, paraît-il, plusieurs flammes jumelles hein, dans la vie. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas obligatoirement fidèle à être avec une flamme jumelle toute sa vie parce qu'on l'a rencontrée dans la vie. Mais il y a eu quelque chose de karmique. Alors, on vous invite vraiment à aller un peu plus dans le côté... ésotérique, voilà, de vous relier à vous-même pour mieux comprendre la notion de Dieu, le rapport avec, c'est quoi mon étoile en fait, je suis, il y a des étoiles là-haut dans le ciel, il y en a une qui a un rapport, ou moi je suis en rapport avec ce qu'il y a là-haut aussi, donc ça veut dire que il y a des retours, des réunions, etc. Donc faites le nécessaire pour retrouver de la couleur dans votre vie. Voilà, là aussi on voit cet effet d'arc-en-ciel hein, qui vous est proposé de l'homme et de la femme. Donc il s'agit du roi de flamme. Donc on dit, hein, préparez-vous, tout s'accélère et un bon nombre d'étapes sont franchies, vous avez déjà bien avancé et même s'il reste encore à faire, le parcours est bien entamé. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez à présent pouvoir cheminer ensemble, main dans la main. À ce stade, vous savez l'un et l'autre combien vous vous aimez et combien vous êtes importants l'un pour l'autre. Par cette réunion, vous allez devenir invincible. Donc, on vous demande de passer à l'acte. On vous demande de passer à l'acte et de pas de surréagir, mais d'aller là où le cœur vous appelle. Hein, vous a dit d'aller. Comme ça, vous allez découvrir, vous saurez. et puis, c'est tout. Et c'est ainsi. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez le choix. Il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, vous avez le choix. On n'a pas vous obliger de le faire. Mais, et puis, ce n'est pas parce que vous le faites que vous êtes obligé de tout détruire. C'est la tentation. La tentation... mais trouver votre équilibre, voilà, donc parfois, il faut quand même y aller, il faut franchir le pas, et enfin, vous allez trouver votre équilibre, voilà. Bon, eh bien, bon courage, et puis
au prochain timing. Maintenant, on va remballer ça. Je mets juste sur pause. Alors, en route maintenant pour cette jolie pierre rouge. Alors là, c'est œil de taureau. Voilà. Alors, elle brille. Hein. Normalement, elle est très, très, très... Voilà, si là, vous la voyez, normalement, très luisante. Mais un côté rouge aussi. Hein. Rouge sang. Donc, c'est aussi la pierre de l'ancrage aussi. Celle-ci aussi, hein, c'est une pierre d'ancrage, mais de purification. Alors, paf. Et j'arrive toujours plus à avoir le nom alors que j'en ai. Voilà, bon, c'est pas grave, je le noterai. Donc, on y va avec l'oracle fée normand. Pour toi, petit Pierre. Oh, j'entends... Alors, j'entends quelque chose de enfantin. Oups. Oui, enfantin. Il y a une joie. Il y a une joie, mais aussi de parcours du travail, d'ancrage, un horizon à découvrir. Une belle... Il y a une harmonie. Il y a une joie qui... Un caractère joyeux. C'est une personne qui a un caractère joyeux, décisif. Vous êtes décisive. Je pense vraiment qu'il s'agit de vous, là. Oui, oui, c'est ça. Avec une capacité, quelle que soit votre taille, vous avez une capacité puissante quand même. Vous avez une possibilité en vous qui est extraordinaire, dans le sens où vous pouvez y faire. Vous êtes comme une fée, comme une magie. Vous interprétez ça comme une. Mais alors j'entends même les hommes féminins dans l'esthétique, la cosmétique. Peut-être moins la coiffure, mais plus dans le domaine du parfum, de la beauté. Pourquoi pas un peu le magnétisme. Non, j'entends vraiment dans le plus dans la ouais dans la beauté et le cirque aussi, la gymnastique, des hommes qui feraient par exemple de la même du cinéma, de la scène, travailler sur un côté. Ah, ma petite prana, elle veut sortir. Oui, ma puce, je vais t'ouvrir. Donc, je vais y revenir. Mais là, il y a quelque chose d'enchanteur aussi. Vous allez pouvoir produire, créer, avancer. Les projets vous sont autorisés. Là, on vous dit, allez-y. Imaginez, réalisez. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc... préparer la magie qui est en vous. Sachez que vous êtes magicien ou magicienne. Vous avez ce pouvoir là en ce moment. Il y a une création. Oui, c'est dans l'art. Hein. C'est plus dans l'art. Mais comme je dis, l'art, la beauté, le fait de rendre quelque chose de beau. Voilà, de beau. Ça peut être même aussi la sculpture, etc. Ah, je fais juste une petite pause. Alors, je prends mon petit café, mais j'entends qu'il y a un cadeau. Vous allez vous faire un cadeau. Faites-vous le cadeau. Le cadeau, c'est de pouvoir créer quelque chose. Et là, vous êtes prêt à cette création. Alors, c'est pour ça qu'à un moment... elle est un peu transparente, hein, cette améthyste, mais elle est très bien. C'est subtil. Elle permet de mettre en apport la réalisation de vos souhaits. Donc, vous pouvez vous doter de cette pierre-là, mais aussi d'une pierre rouge, d'ancrage rouge ou doré. Entourez-vous, en fait, de ces couleurs-là aussi pour activer votre reliance. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu aussi avec les chakras, mais la reliance entre le chakra racine et votre construction, mais surtout de l'esprit. Parce que votre cœur, etc.,
y est. Vous avez cet enthousiasme et tout, mais vous n'osez pas mentalement. Je dis, mais c'est complètement dingue. C'est si, allez-y. On vous le dit, allez-y. C'est extraordinaire. Alors là, il y a ce bonhomme hein, derrière qui est le monstre gentil, le druide qui vous annonce que oui, vous êtes sur un bel horizon. Donc allez-y fermement, allez-y, préparez, démarrez votre rêve. Voilà, si nécessaire. Il n'y a même pas besoin de le faire sur papier, sur écrit, c'est d'y aller carrément. Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez une idée, allez-y. Si vous en avez plusieurs, allez-y, parcourez. Et puis, lancez-vous. Lancez-vous, c'est super. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, joie cérémonie, j'entends. Joie cérémonie. Alors, là, encore une fois, pourquoi joie cérémonie ? Ben, tout simplement, c'est parce que pour vous, ce qui peut être bien, c'est d'aller dans les lieux, peut-être de nuit, hein, sortir un peu le soir et y mettre de la gaieté, de la joie, trouver quelque chose de Ça va vous embellir. C'est marrant, c'est comme si la nuit allait pouvoir vous inspirer, vous apporter la lumière. Ah mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça en fait. Et alors, n'allez pas trop dans le sombre, hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez même vous promener la nuit par exemple. Mais le soir, la nuit, le sombre comme ça, va être votre lumière, votre inspiration. Et vous allez en avoir peut-être même plusieurs. On voit bien ces petites lucioles par-ci, par-là. Vous allez être éclairé comme ça dans pas obligatoirement plusieurs modules, pas obligatoirement plusieurs domaines, peut-être. Mais je dirais que c'est un domaine où vous allez avoir plusieurs idées en même temps. Et c'est ça qui va vous permettre de vous construire. Donc la statue, là, ça peut être aussi vous-même figé. Vous pouvez être immobile et regarder autour. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être l'acteur. Si par exemple, vous allez en boîte de nuit, vous n'êtes pas obligé d'aller danser. Vous pouvez aller regarder pour peut-être voir ce dont les personnes auraient besoin ou qu'est-ce que vous pourriez proposer pour qu'il y ait un effet de mode ou quelque chose comme ça. Si vous voulez par exemple faire aussi, je ne sais pas, dans le domaine artistique, être sur scène, qu'est-ce qu'il va produire de l'effet sparkling sur les autres, quoi. Voilà, donc on vous dit apportez votre cachet, trouvez votre talent. Voilà, c'est ça, c'est votre talent. Ensuite, c'est plus clair, on dit juste de franchir, de franchir le pas. Parce que aller vers même une institution, vous êtes repéré. Voilà, là c'est la fin. Alors, il y a un frisson hein, parce qu'il y a un arrêt. Il y a eu peut-être même un arrêt brutal, hein, une perte, une perte quand même très forte. Peut-être il y a longtemps de ça, mais quelque chose qui vous aura. Pas traumatisé mais marqué quand même et qui vous aura permis aussi de développer votre côté artiste féminin, hein, votre féminité qui est votre créativité à mettre en place. Alors actuelle, on vous attend, la richesse vous attend, voilà, donc ne restez pas dans la tour. Mais soyez autour parce que là, on va vous attendre encore une fois. Vous allez pouvoir accéder
dans des peut-être des maisons production, d'édition, des choses comme ça. Je dirais à la rigueur, vous ne pouvez pas trop vous imaginer, vous pouvez quand même idéaliser. En tous les cas, tout à l'heure, c'était en fait, votre rêve. Alors, est-ce que j'en ai encore à peu près une? Oui, c'est ça. Avancez parce que en plus, vous pourrez peut-être même vous associer, être avec, rencontrer des personnes comme vous. Ou une personne qui est prête à vous aider à prendre votre envol. Voilà. Ouais, là, c'est très vite. J'entends que je peux aller. Vous pouvez compter sur quelqu'un. Hop, là, c'est trop là. Ça ne sert pas. Parce qu'il y avait une fin. Mais ça, c'était du passé. Hein. J'aurais pu regarder sur le passé, mais c'est pas très grave. Parfois, le passé est lourd et long. En tout cas, oui, voilà, il y a une fidélité, une confiance. Mais avant toute chose, ayez confiance en vous. Voilà, le message est clair. Vous avez cette force. Vous allez recevoir aussi un message. Vous allez recevoir un message fidèle, hein, de fidélité, d'accompagnement. Soyez dans cette contemplation, encore une fois, dans la création, dans la créativité. Peut-être que vous allez avoir une proposition aussi dans un domaine... comme je vous dis, hein, plus talentueux artistique, ça pourrait paraître un peu bizarre ou on se dit, oula, je ne sais pas trop, ça me tortille un peu, je ne sais pas trop. Est-ce que aller faire le clown, par exemple, ça va me plaire? Pas vraiment. Est-ce que être exposé dans une festivité, ça va me plaire? Peut-être pas vraiment. Il y a toujours un pour et un contre. Donc, on vous propose de contempler, d'être dans la réflexion, mais en tous les cas, c'est le moment de la chance, l'opportunité. Vous y êtes. Vous recevez un message vraiment sincère. On vous fait une belle proposition. Voilà, c'est la chance. Hein. Vous avez le trèfle ici. Vous avez cette chance-là. Et encore une fois, il y a un domaine plus dans là. Alors, est-ce que, encore, ou... ouais, j'entends... Là, c'est trop. Mais... Voilà. Alors, oulala, tu t'es envers là. Et oh. Alors, là, cette fourbi, c'est qu'elles ont envie de causer, les petites chéries. Et en même temps, alors, quoi? J'entends 9. Alors, je vais faire au nombre. Alors, oui, alors, attention quand même. Il y a une ruse. Il y a une ruse par rapport à la santé. Donc, ici... ce qu'on vous dit tout simplement, c'est par contre rester bien dans la lumière. Ça veut dire, vous pouvez aller dans les endroits sombres, en boîte de nuit, des choses comme ça, comme je vous ai dit, mais restez dans la lumière, soyez plus à contempler. Parce que si vous devenez acteur plus que contempleur, vous avez un risque sur la santé. Vous allez vous faire grignoter la santé. Donc ça, c'est pour vous. Faites attention. C'est la chose où on vous dit de prendre soin de vous quand même, hein, de rester vigilant et toujours éclairé. Votre objectif vrai, c'est de, c'est pas de faire la fête, c'est pas de vous surcharger, de vous fatiguer. Ne soyez pas votre ennemi, voilà, en termes de santé. D'accord ? Protégez-vous et tout ira bien, voilà, sur la santé. Donc... Ah, j'entends réconfort, ça y est, c'est bon. Assurance, alors. Oh, encore une fois, histoire de cœur. Oui, grignoter, histoire de cœur, encore une fois. Il y a une source de pas d'épuisement, mais... ah, il y a une petite... C'est pas une trahison, c'est une forme d'infidélité aussi. Hein, c'est marrant ça, c'est que bon, à la fois vous êtes tiraillé, hein, vous êtes tiraillé. Votre cœur est tiraillé parce que j'ai senti quelque chose. Donc il est tiraillé par rapport à un... Oui, vous êtes grignoté au niveau du cœur. Il y a de la fidélité dans deux côtés, deux parties. On vous propose. Donc là, c'est vous. Vous allez faire le choix de ce qui est le plus fidèle. Voilà. Soyez vous-même aussi et voyez ce qui est
le plus fidèle. On vous a demandé avec le soleil tout à l'heure, on vous l'a proposé, restez bien lucide, pas d'excès, pas d'excès. Hein, c'est le mot excès. S'il n'y a pas d'excès, c'est bien. Cherchez plutôt la régularité. D'ailleurs, si quelqu'un est fidèle, il faut aussi voir comment il est fidèle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est équilibré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'excès? Voilà, là c'est bon. Ok, donc je coupe. Contemplation, j'entends. Ben voilà, tac. Voilà, et c'est ça qui va vous apporter la chance. Restez donc à contempler. Et donc, vous allez devoir trancher. Hein. De toute façon, vous allez devoir élaguer, vous allez devoir faire un coup de nettoyage. Ah, voilà, un petit coup de nettoyage, remettre... c'est marrant ça, je vois une sorte de... J'allais dire un plateau, mais très très grand en fait. C'est pas un bar, hein, c'est comme un... Alors, ça peut être même pâtisserie, etc. C'est un métier qui vous apporte de l'art. Et j'entends vraiment, on est dans le corps d'un métier. Donc, vous allez faire un choix. Vous allez nettoyer, tout mettre à plat, à propre. C'est très bien. Donc, j'entends 9. 2, 3, 4. Et ben, 5. Et 9, avec un abracadabra, encore une fois, on va répéter ce que j'ai dit, on se croit, voilà. Donc là, c'est très simple, c'est que vous êtes là sur la branche, contemplez, c'est vous, hein, vous qui allez créer cet art. Donc dans la nuit, regardez ce qui vous illumine, voilà, regardez sans toucher, ne soyez pas vous, la lune, mais regardez-la. Et c'est ainsi que vous allez être inspiré de votre créativité. Rappelez-vous que vous avez une chose en tête, c'est très personnel en réalité. Il n'y a pas il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est vous pour l'instant, c'est vous et votre créativité, votre création. Voilà. Vous allez vers la lumière, donc vous savez qu'il y a des obstacles, des montagnes, des machins et tout, mais vous êtes sur la direction, la voie. Voilà, vous y êtes. Donc il va falloir grimper, il va falloir monter, vous voyez, vous êtes déjà en petite tenue et tout. Vous savez très bien que vous n'allez pas avoir froid. Vous savez très bien que vous êtes sur le bon chemin, la bonne direction, la lumière. Voilà, le sentier est là. Vous avez déjà passé les montagnes, là. Vous avez déjà passé l'obscurité. Et donc, vous trouvez cette bonne lumière. Donc, alors, toujours, hein, restez bien dans la contemplation, ne vous faites pas grignoter la santé. Alors, il y a une petite pause quand même, un recul. Un recul parce que il y a eu à la fois quelque chose, l'enfant intérieur qui va être, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y avait eu une sorte de traumatisme. Là-dessus, faites votre paix, soyez en paix parce que c'est grâce à ça, malheureusement c'est comme ça, mais votre enfant intérieur